Et ben le salut du love et des bisous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Alex NCN et Kelden Alex, on se retrouve pour la première fois sur Zelda Wind Waker sur YouTube, puisqu'on a fini l'aventure sur Twitch il y a de ça quelques mois, hein, il me semble un ou deux mois, un truc comme ça, même peut-être plus. En tout cas, ça fait 2-3 mois à peu près, ouais. Un, deux ou trois mois, je sais plus. Non, on va dire 2 ou 3 mois où j'ai fini l'aventure Zelda Wind Waker. Et on a même commencé GTA V. On a fait un seul épisode en 2 mois, hein, parce que je vous ai dit là, je suis en fin d'année. En fin d'année, ça va être plus compliqué pour faire des lives, mais bon, ça ira mieux à partir du week-end prochain. Donc, bonne nouvelle. Au moment où je vous parle, le week-end d'après, c'est-à-dire la deuxième semaine de novembre, parce que vous, la vidéo sortira pas en novembre, hein, bien sûr. Et ben, il y aura le retour de GTA V. Il y aura aussi des nouveaux jeux qui arriveront, un nouveau Let's Play qui prendra la place de Time Splitter. Je vous dis pas ce que c'est, mais j'ai une idée, hein, de ce que je vais faire, évidemment. Ça commence par un R. Vous verrez ça. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui sur Zelda Wind Waker. On a fini le jeu, mais je vous avais promis de faire des vidéos pour les cartes de cœur, ce qui est possible d'être récupéré. Voilà. J'ai une feuille ici, sous présent, où j'ai tous les cartes de cœur présentes du jeu. Et on va faire un tour. On va faire un petit tour ensemble, parce que je sais plus ce qu'on a vu et tout. J'ai validé tout ce que j'étais sûr. Mais si jamais il nous manque un ou deux cartes de cœur là tout à la fin, on ira fouiller tous les endroits où je n'en suis pas sûr à 100%. Et je vais faire dans un ordre plutôt précis, par exemple, ici, à la forteresse maudite, il y a un coffre. Voilà, par exemple. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller hop, chercher le premier coffre que j'ai déjà récupéré, il me semble, mais au cas où, on va rentrer dans la forteresse, ouvrir la carte, et récupérer. Alors là, c'est pas le quart de cœur, là, ici, c'était le marteau. On va regarder si on a bien récupéré ce qu'il fallait pour le quart de cœur. Tout simplement. Donc, exceptionnellement, vous pourrez me backseat. Vous avez le droit. Pour ceux qui ont regardé mes rediffusions, etc., n'hésitez pas à faire un petit tour, hein, si ça vous intéresse. Comme ça, vous allez voir toute l'aventure en même temps et voir tous les cartes de cœur que j'ai récupérées pendant l'aventure. Voilà. Donc, c'était un truc que j'avais prévu de faire, hein, je vous avais dit en fin d'année ou début d'année prochaine, 2024. J'allais faire les cartes de cœur, j'ai décidé de le faire maintenant, comme ça on avance sur les promesses. Alors, hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la carte. Et comme j'ai la boussole, ben, s'il n'y a pas de coffre. Ah, deuxième étage, j'ai une croix. Et les croix, c'est les coffres. Ah! Ici, une croix. Au deuxième étage. Et bah, c'est qu'il n'y a pas le quart de cœur d'ici alors. Le quart de cœur, il me semble qu'il est dans une cellule, hein, de mémoire. Bon, on va y voir. Hop. De toute façon, la première fois qu'on était venu ici faire les quarts de cœur, on n'avait pas les armes qu'il fallait. Là, on a tout ce qu'il faut, donc on peut prendre notre temps. Hop. Alors, il faut me rappeler un peu des touches, etc. Hein, j'ai pas joué depuis quelques mois. Et puis, j'ai pas joué avec une manette de PS5 à l'époque. Alors je rappelle que j'ai le jeu en ma possession, etc. C'est juste pour le capture, c'est un peu plus compliqué sur ce type de jeu. Parce que ça demande beaucoup beaucoup de substance et on ne l'a pas actuellement avec mon PC. Ok. Alors avec celui-ci, oui, mais pas avec le PC de base. Hop. Le PC où je tourne mes jeux PS5. Et Wii aussi, parce que maintenant que je joue aussi à la Wii. Hein, depuis quelques jours, j'ai repris la Wii parce que. On va pas se mentir, là oui, il propose de très belles choses. Alors, comment je ferais pour aller là-haut? Attendez, est-ce que je me rappelle plus, hein. Donc là, il y a une salle ici, ouais. Est-ce que je peux aller là-haut à partir d'ici ou pas? Ouais, ok. On va commencer par là. Hop! Alors là, c'est pour être sûr. Comme ça, je valide. Je mets un gros validation en vert ou en rouge qui me montre officiellement qu'on a été vérifié ensemble tous les quarts de cœur. Hop! On ouvre, là on est à l'extérieur, du coup on va faire la partie. Voilà, hop! La partie qu'on connaît tous bien. Hop, avec le gros H, on dirait qu'il y a une grosse lettre H comme comme le H de Harry Potter. Mais je pense pas que c'est ça. Pas que je sache. Attendez, je vais prendre un truc sur moi, parce que ça va peut-être m'aider. C'est peut-être ça en fait. Voilà. Hop! Voilà, c'est bon. On continue l'aventure. Peut-être pour récupérer ce qu'il y avait là-bas avec la croix. Hop. Là, on est d'accord que pour l'instant sur la carte, on n'y est pas encore. On y arrive. C'est derrière cette porte. Voilà, ici. Apparemment, pas loin, il y aurait une carte. Ou pas du tout. Il y a une croix. Il y a une croix, on l'a tous vue. Mais la croix, c'est pour sortir. Il n'y a rien en fait au niveau de la croix. Ah, attendez. Alors, attendez, je suis pas sûr. Parce que là, il n'y a rien. Donc, je pense que ça a été récupéré. Je vais prendre mes flèches. Ok, je l'ai sur moi, mon arc. Oh là là, c'est compliqué. Hop! Attends, il m'occupe d'eux. Alors, il y aura peut-être des épisodes un peu dans le vent, etc. Mais là, c'est vraiment
à la recherche des quarts de cœur. Donc ça se peut qu'on ne trouve rien pendant certains épisodes. J'espère qu'on va trouver un quart de cœur par épisode minimum, hein, ce serait déjà pas mal. Et après peut-être qu'on aura des épisodes où on trouve 4 quarts de cœur d'affilée, hein. Ça se peut aussi. Alors, je me dis en fait il faut peut-être allumer les torches. Je sais pas. Alors t'as un coffre qui va s'activer. Allez hop. Voilà, 3 torches. Allumé, bonne nouvelle. Ah mais là, c'est du bas aussi, attendez. Ah oh attends toi, tu commences à nous saouler. Hop. Waouh. Incroyable ma flèche. Il y a quand même une chauve-souris ou c'est moi là? Attendez, je vais voir. Ah, il y a une autre torche qui s'est activée. Ça a donné quoi, un coffre de faire ça ou. Ça sert à rien en vrai. Parce que je perds mon temps, hein. Attendez, on va faire un beau tir. Bah c'est pas possible, je me souviens, il y en a combien. Ils sont nombreuses hein, dans ce lieu de Zelda. Moi qui pensais que dans Breath of the Wild et dans Tears of the Kingdom, ils en ont mis la pâtée de chauve-souris, là il y en a beaucoup, beaucoup aussi. Hein. Pas du tout si on a eu toutes les torches, c'est parce qu'il y a des choses. Pas du tout en fait. Hein. C'est inutile ce que je fais en vrai. Bon. Eh ben, ce cas de cœur est validé, hein. C'est officiel, j'ai fouillé partout, il n'y a rien. Hop, et la croix, on sait elle était où. Allez, on va se téléporter. Non, on peut pas se téléporter comme ça. Hop, il faut que je trouve une sortie. Une sortie officielle. On va sortir du temple. Du temple, vous avez compris. Je suppose. On va sortir d'ici, puis on va essayer d'aller chercher le deuxième qui se situe sur l'île étoilée. Voilà, donc là, j'étais pas sûr non plus, donc j'ai pas mis de validation. Mais sur l'île étoilée, apparemment, il y aurait un quart de cœur à récupérer. Donc on va se téléporter avec la tornade, hein, vous connaissez, avec la baguette magique. Hop. Donc là, c'est validé, hein, j'ai validé le... Vous l'avez bien vu comme moi. Hein. Si jamais vous dites, ah, vous avez le droit. Hein. Vous pouvez me dire, ah Alex, attention, non, finalement, t'as mal validé. Parce qu'en fait, t'as mal regardé, machin. Vraiment, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est très important pour moi. Sachez que je ne vais pas jouer toutes les semaines. Hein. Ça sera tous les 1, 2, 3 semaines des fois où je vais avancer sur l'aventure. Hop, alors, hop, rapide, bon, l'île étoilée, elle est où? On va prendre la baguette magique, et on va voir où on peut se téléporter. On va se téléporter où? Je mets une question. Alors, l'île étoilée, ah oui, j'aurais peut-être regardé avant, elle était où sur la carte? alors, c'est quoi, on va aller sur l'île des poissons, parce que je sais que là-bas, il y a un truc à faire. On va faire l'île du poisson, hop. Donc là, je m'a validé ici, voilà. Alors, l'île des poissons, est-ce que j'avais un quart de cœur à récupérer? Oui. Il faut que j'aille voir le Kurogu qui est sur cette île. Et après, on ira faire l'île étoilée. Alors, ce sont des vidéos qui vont durer 20 à 30 minutes d'épisode. Hein. Ce seront des petites vidéos. Hein. Comme je vous dis, c'est des petites vidéos un peu comme Assassin's Creed Chronicle que je tourne en ce moment. C'est des petites aventures que je fais par-ci par-là, voilà, histoire d'être bien. En termes de rubis, je suis à 1000. Ouais, je suis à 1000. Bien. Bien si on doit aller voir monsieur avec son casque là, au moins. On va être plutôt bien. On va pas fouiller les coffres, hein, en vrai. Alors, le gars, le Kurogu, il était où? Précisément. Alors, attends, est-ce qu'il faut que je retrouve le Kurogu? Il était sur une île. Il est pas là-haut. C'est pas son arbre d'ailleurs, le Kurogu. Ah, il est là-bas, regarde, hop. Il est là. Et moi, je dois... mon grappin, je peux pas l'utiliser d'ici. Attends. Ah, je peux aller là. Ok, je peux aller ici. Hop, je descends. Et on va aller faire un petit tour. Là où il y a le Kurogu, apparemment, il faut que j'aille voler sur une autre zone, c'est ça? En fait, là, il y a le Kurogu, il faut que je vole vers l'île principale avec une encoche. Sur l'île où il y a un quart de cœur. Voilà. Il y a écran de spi. Hein. Bon, on va fouiller. Là, vraiment, c'est comme vous indiquer où sont les quarts de cœur que vous n'aviez pas, peut-être. Oh. Il est là, en fait, le Kurogu. Moi, je pensais que c'était lui qui était là-haut.
Voler vers les principales. Donc on va changer la direction du vent du coup. On va changer la direction du vent. Moi je sais pas vers où je regarde. On va faire ça. C'est génial. Il faut pas que je me trompe de touche en vrai. On a ce qu'il faut. On va peut-être quand même fouiller un peu. Attendez, hop. Récupérer de l'énergie, je sais pas. Il n'y a pas de chaud lui. Ah, j'ai peut-être fait une mauvaise touche. Ouais. Connerie. Et j'ai plus d'énergie. Bah, c'est génial! On commencerait bien l'aventure. Hein. On commencerait bien, on n'a pas d'énergie, on a fait n'importe quoi. Ah, ça commence très très bien cette aventure à rechercher des quarts de cœur. Oh! M'en faut encore. Encore s'il vous plaît. Lui là-bas, il y a des pots sur son truc, je vais fouiller ses pots. Allez, un peu d'énergie encore. Allez, un gros paquet d'énergie. Non, il n'y a rien. Alors mec, je viens fouiller tes pots parce que j'ai plus d'énergie, il m'en faut là. Obligatoirement. T'as rien, t'as rien. Ça va pas ça mec hein. T'as rien du tout. On va pas aller loin avec lui hein. Bon. Ouais je crois que j'ai fait nappe. Oh après si je connais pas les touches que. Donc ça fait des conneries. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors mon micro, j'ai remarqué que ça année c'est bien, j'ai un filtre et tout, mais la voix de mon micro, ma voix je la trouve des fois elle est saturée par un truc. Donc je vais essayer de régler ça de mon côté. Pour l'année 2024, comme ça on aura un micro parfait. C'est un petit peu le problème que j'ai actuellement encore sur le jeu. Je trouve. Ok. Allez, est-ce que j'ai assez d'énergie pour aller là-bas? Hop, encore un petit coup. Non, non! Bah j'ai plus d'énergie. Bon bah les amis, on va pas pouvoir faire cette mission-là pour aujourd'hui. Je suis triste. Hélas. Ah c'est la vie hein. Il y a des fois, il y a des trucs qu'on peut pas faire sur l'instant. On ne saura pas sur l'île du poisson s'il y avait ce qu'on voulait. Bon c'est pas grave, on va quand même aller sur l'île étoilée. Alors on va mettre la carte. Tac, la carte. Où est l'île étoilée? Où est cette île étoilée? Hop, l'île de la rocaille. Île étoilée, elle était à côté de l'île de la désolation. Il était vraiment pas loin. Bon c'est pas grave. Alors je vais faire un autre truc parce que ça c'est important. On va regarder les cartes. Ici. Et je vais valider toutes les cartes où j'ai déjà la carte de cœur, comme ça sera un truc en moins à faire. Alors, je vais regarder si j'ai toutes les cartes d'ailleurs. Ah, c'est cartes au trésor. Ah mince, attendez, attendez. On va pas trop vite là. J'ai pas la 2. Oh bah, on va voir qu'on trouve la carte 2, les amis. Donc on a la 4. Bonne nouvelle. J'ai pas la 2, il me faut la 2. Il me faut la 2. J'ai la 5. Bonne nouvelle. Ok, ça faut que je regarde où est la 2 du coup. Est-ce que j'ai la 11? J'ai la 11, validée. Ok, est-ce que j'ai la 15? 15 est validée également. Est-ce que j'ai la 20? J'ai pas la 20. J'ai la 23. Donc il manque déjà deux cartes. Où il y a des cartes de cœur. Est-ce que j'ai la 30? J'ai la 30. Il faut voir la 31, la 33. 31, la 33, la 38. J'ai pas la 33. Est-ce que j'ai la 38? J'ai la 38. Il manque 3 cartes. Voilà. Après j'ai une mission Kurogu, mais ça je l'ai faite. Hein, on l'a faite ensemble. Après je sais pas si le puzzle et figurine Nintendo est considéré comme un carte de cœur. Donc ça je l'ai mis en entre parenthèses. Mais on verra ça très vite, hein, de toute façon. Et puis si c'est le cas, j'irai faire ça en off. Et ça, je vous montrerai... voilà, je vous montrerai ça, bien sûr. Enfin, je vous ferai une image, un screen. Que je vous partagerai lors d'une vidéo. Que j'afficherai en pleine vidéo. Donc ça, c'est trop long. Et faire ça en vidéo, ça va prendre peut-être 3-4 épisodes. Parce que c'est long, les puzzles et tout, là. Et les figurines Nintendo, je sais pas sûr. Ce sera peut-être le seul quart de cœur qu'on ne fera pas. Ah ouais, mais non. C'est l'île Murphy, bien sûr. J'avais carrément oublié. Attends, quoique peut-être que sur l'île étoilée, il y a un truc à faire. Rocher à détruire pour grotte ennemie. Il y a des rochers à détruire ici. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait des rochers à détruire ici. Non, je pense que c'est... Non. Bon, on va se téléporter de part. On va se mettre sur le mercantile, voilà. Et on va voir... Alors mercantile, je crois qu'il n'y a pas grand chose à faire, hélas. C'est une île où on a presque tout. On a
On a fait le cache-cache, ça c'est officiel, je me mets en rouge. Hein. On a fait les enchères, ça c'est officiel. On a fait le coffre du phare, parce qu'il y a un coffre du phare à réaliser. La bataille navale, on l'avait faite, hein, c'est le premier quart de cœur qu'on avait eu, je crois. Les 36 ponts, on l'avait fait aussi, c'est dans les derniers épisodes, c'est même une vidéo qui est sortie vers la fin. Photo de la fille timide, on l'a fait. C'est ça que je sais, on l'a fait. Et il y a juste la lettre de Maggie. Alors, je sais pas, elle est venue du quoi cette lettre, tiens. Hop, la lettre de Maggie, là. On l'a ou c'est comment, là? Ah, il faut que je l'équipe. Ah, attends, on va mettre Y. Titre de propriété de la villa, coupon flatteur, coupon de ravitaillement. J'ai pas de lettre de Maggie, donc écoutez, on va juste aller parler à Maggie, hein. Si elle me dit RAS, bah RAS, hein. Comme ça, on va pouvoir récupérer aussi de l'énergie, mais j'ai plus d'énergie, là. On va faire tout ce qu'il y a à faire à Mercantile, comme ça, on n'y retournera plus. On pourrait peut-être même dire au revoir à limite à l'aventure, puisqu'on y retournera plus du tout, du tout, du tout. Alors, Maggie, on verra demain. On va prendre l'énergie avant, et demain, ce sera à la recherche de Maggie et de sa responsabilité en termes de récompense. Hein. Ouais, elle nous a dit récompenser et tout. On va aller la voir, on va lui parler. Je crois que le facteur, il lui a déjà parlé. On l'avait fait en off, hein, il me semble, mais par doute. En fait, il n'y a que des rubis sur ces îles de merde. Hein. Y a... Attendez, quelle est la musique déjà du soleil? Je vais la faire après. Pas d'énergie. Hein. Vraiment, l'énergie, c'est. Alors, je dois parler au gars du phare aussi. Alors, c'est pas lui. Alors, chez Maggie. Tiens, on va aller chez Maggie. Je suis pas sûr qu'ils sont là. Je sais pas s'il y a une horaire ou pas. Alors, Maggie, elle est là-bas. Pas là, Maggie. Bonjour, Maggie. Comment vas-tu? Quand je pense à mon père, j'hésite à prendre la décision de quitter la maison. Il adore l'argent et les objets précieux. En ce moment, les bijoux, l'intéresse, c'est les colis macabres. Tu rendras fou si tu lui montres avec tac. Mais j'ai pas de quart de cœur avec les colis macabres. J'en ai combien de colis macabres? On va peut-être faire la quête. Hein. Je sais pas. J'ai vu lui montrer. Tiens, on sait jamais. Hein. Collier macabre! Oh là! C'est un collier macabre! On peut les vendre à bon prix auprès des antiquaires, à vrai dire, c'est grâce à ces colliers que je suis devenu si riche. T'en as une vingtaine, ils sont pourtant pas si faciles à trouver, même quand tu as fait. Et je croulerai sur la fortune! Tenez mon garçon, c'est pour vous. C'est un quart de cœur, je rigole. Oh! Une carte! C'est une carte de quart de cœur! J'ai déjà été pauvre moi aussi, voilà. À mon avis, je pense que le tableau il va nous servir pour avoir une carte. Le tableau des puzzles. Ok. Retour. Hop. Alors, on va aller voir la carte que je viens de récupérer, qui est, j'espère. Alors, j'espère que c'est soit la 33, la 20 ou la 2. C'est pas la 33. C'est pas la 20. J'espère que c'est la 2 du coup. Oui! On va pas chercher un quart de cœur. Alors c'est où? Ok. On va chercher notre premier quart de cœur de l'épisode, les amis. C'est un truc de fou. Surtout qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Alors attendez, hop, je vais zoomer un petit peu pour voir où ça pourrait être. Une sorte de serpent chelou. Ça pourrait être. Non, c'est pas ici. Ah, non, c'est pas là. Ah, c'est ça. C'est sur l'île de la Rocaille. Et on a des trucs à faire peut-être là-bas. Donc on va être sur l'île de la Rocaille. On va aller voir en même temps la chose à récupérer. Donc Maggie c'est officiel, on peut valider Maggie, donc une chose en plus déjà. Mais avant ça, je vais parler à Vince du phare. Vince du phare, je sais pas comment on fait pour aller chez lui. Ah si, il faut pas aller depuis ici. Il y a une autre entrée. Vince du phare, on va y aller autrement. On va voir Vince du phare, on va récupérer ce qu'il y a à faire sur l'île de la Rocaille plus la carte, et on se laissera là pour la première partie des quarts de cœur, sachant que c'est des petits épisodes. Donc lui c'est officiel, on avait fait les quarts de cœur, c'était tout au début, etc. Vous aurez un quart de cœur dans cet épisode, bonne nouvelle pour vous. Vous aurez un quart de cœur. Ok. Là, c'est bien parce que c'est plus chill et tout. On n'a pas d'aventure à finir au plus vite. On n'est pas pressé. Belle nuit, n'est-ce pas, petit homme? La vue magnifique depuis là-haut du phare, je ne trouve pas. Bah, Vince du phare. Bah, écoutez, ça a été fait. Hein. Donc, on a eu un quart de cœur par lui. C'est vrai que je l'avais parlé une fois, il m'a donné un quart de cœur. Allez, on retourne au bateau. On va sur l'île de la Rocaille. Vous connaissez la suite, hein. Attendez, vous connaissez pas encore la suite. Vous allez bientôt la connaître. C'est qu'on va récupérer notre premier quart de cœur officiel. Et au moins, on sait que sur Mercantile, il n'y a plus rien à y faire. Oui, je suis content. Belle lune.
Et lui, on a réussi sa quête aussi, d'ailleurs. Il faut, c'était pour un... Alors ça, il faut faire aussi toutes les quêtes, parce que s'il faut, il y a certains quarts de cœur qui sont dans des cartes. Allez, c'est parti, l'île de la rocaille, prochain objectif. Et je crois qu'on peut y aller en tornade. Dit quelque chose, l'île de la rocaille. Ah, on est à côté, en fait. Pardon, c'est... Attendez, on est à côté. Île de la rocaille, ici. On va peut-être sur le... c'est le parti sur l'île de Tingle, hein. C'est à côté, au moins on gagne du temps. Hop! Toulut! Allez, hop, l'île de Tingle, comme ça on va aller sur l'île de la rocaille. Et sur l'île de Tingle aussi, apparemment il y a un quart de cœur, donc on va faire l'île de Tingle, l'île de la rocaille, et on sera bien pour aujourd'hui. Ah, il y a un calamar! Bon, on va voir s'il y a des... On va voir s'il y a des mouettes. On va faire le tour de l'île de Tingle. Parce que les calamars, ça c'est le plus chiant, hein. Ça va être vraiment casse-couille. Il y en a 3 ou 4 qui donnent des quarts de cœur. Allez, on fait un petit tour. Ok, donc là on va sortir l'île de Tingle, donc hop. Pas moyen. Faut qu'on reste sur l'île de Tingle. Hop. Là c'est bientôt. Hop. On va faire encore une ou deux longueurs. Ok. On va tourner ici, voilà, pas loin. On va regarder un petit peu dans le coin là. Ok. Hop, esquive. Oh, il y a des... oh, il y a des goulans! Oh, attendez, dis-moi pas qu'il y a... il y a un calamar ici. Je rigolerais. Il y a des goélands. C'est-à-dire qu'il y a un calamar pas loin? Est-ce que les goélands ils restent quand même après, même si le calamar on l'a pas affronté? Ça, je suis en une tingle, donc je suis obligé de rester dans le coin. Ok. Ok. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir de calamar en fait. Et pourquoi il y a encore des goélands alors s'il n'y a pas de calamar? Bon, allez, je fais encore un peu un petit tour au cas où. Et ça, je crois que. Oh! Il pleut! Il pleut! Goéland? Oh, c'est trop bien. Ça n'a peut-être rien à voir. Hein. Non, je suis pas sûr qu'il y a. Non, non, bah tant pis. Soit quand il pleut, il y a le calamar pas loin. Ok, il n'y a pas de calamar. Bon, je vais pas le valider de suite, je vais attendre un petit peu au cas où. Apparemment, il y aura peut-être un calamar. Donc ça sera toujours en suspens. On va le prévalider. Non, on va pas le valider, je vais regarder avant si les calamars. Si les goélands restent même quand le calamar était vaincu. Et pourquoi je vais là du coup? On fout d'être là. Ouais, j'en ai rien à foutre d'être là. L'énergie, est-ce qu'il y a de l'énergie, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. C'est ces îles où il n'y a pas une seule énergie, en rien. Pourquoi quand il a commencé à pleuvoir, je me suis dit, ah, ça y est, c'est goéland, c'est officiel. C'est calamar goéland réunis. Ni l'un ni l'autre. Allez, on va sur l'île de la rocaille. C'est officiel. Alors, c'est laquelle? C'est celle qui est là? Ou là? D'ailleurs, ça a l'air d'être une île de rocaille. Hein. Non, c'est l'île du poisson là-bas. Donc, c'est pas là-bas, c'est celle-là. Moi, ouais, c'est celle-là. Alors, dans les miradors, il n'y en a que un ou deux où il y a des quarts de cœur, je crois. Et je crois qu'on les a déjà fait. Alors, l'île de la rocaille, il y a deux quarts de cœur possibles. Il y a les bateaux autour de l'île. Il y en a un d'entre eux qui donne un quart de cœur. Et il y a le Terrimasqué qui serait dans les parages, peut-être. Ça dépend des moments. Donc là, si on voit le Terrimasqué, on y va direct. Tu vois son navire. Ça, on fera ça au prochain épisode. De toute façon, on réapparaîtra avec. Et là, le Terrimasqué. Et il y a le coffre quart de cœur, il est là. On va récupérer le quart de cœur en premier. Allez, hop. Tam, 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 tam. Donc, ça, on peut valider, c'est 0-2 du coup. On a trouvé un quart de cœur, c'est trop cool. On n'aura pas fait ça pour rien. Et voilà. Premier quart de cœur qu'il nous fallait. Il était ici. Tout le monde le savait. Il était masqué apparemment. Ah ouais, il y a... Ah!
Link, t'es un troller professionnel, Link, hein, on t'adore. Hein. Mais ouais, vraiment, là, des fois, t'es relou, mon pote. Hein. Oh non, allez, rattrape-le. Allez, esquive un quart de cœur le Terry masqué. J'espère qu'on a, on l'a peut-être tout ruiné. Oh, on l'a déjà acheté. Le Terry masqué, on a déjà acheté le quart de cœur. C'est officiel. Et autour de l'île, il y a des bateaux. Mais là, je crois qu'il n'y a plus de bateaux, donc on a tout détruit. On va faire un petit tour autour de l'île. Autour de l'île de la rocaille. Et puis, on va se laisser là pour le premier épisode de cette recherche de quart de cœur. Alors, tous les bateaux qui sont autour de l'île, apparemment... Mais il n'y en a plus, hein. On les a tous battus. Ah, attendez, là-bas, il y a des bateaux, non? Du coup, on est toujours sur l'île, là-bas. Oui! Ok, donc là, notre peut peut-être nous donner un quart de cœur. Attendez, est-ce qu'on est toujours sur l'île? Attends, voilà, oui. Hop. Tac. Tu sais, c'est toi qui donnes un quart de cœur, mon pote? Hop, on va aller vérifier, hein. On sait jamais, hein. On va en faire un petit dernier tour de l'île avant d'arrêter. Donc ce n'est pas lui. Ça aurait pu, hein. Alors le deuxième bateau qui est là. Ok. Alors je suis pas sûr que c'est lui non plus. Mais je crois qu'on l'a déjà fait hein, ce truc là, hein, il me semble. Hein. Il faut que je me rappelle en fait de la vidéo où on avait affronté des. Pas du tout. Pas du tout! Bah voilà! Encore allez, deux quarts de cœur en un épisode. Ça commence très bien, regardez, il n'en manque plus que 12. Il n'en manque plus que 12 parmi toute cette liste. Et ben on va pouvoir clôturer sur cette belle découverte. Hein. Et prochain épisode, on va se retrouver. Vous vous rappelez l'île de l'horreur, on avait fait les 50 000 étages là, dans les souterrains là. Et je me rappelle plus si on avait été. Je vais regarder sur mes vidéos et si on l'a pas fait, je vais les refaire en off. On va commencer par ça. On va. Je vais. En fait, je vais le faire en off et dès que j'aurai fini, je tournerai ma vidéo. Donc je le ferai un peu avant de tourner ma prochaine vidéo. Et voilà, comme ça on ira chercher le premier quart de cœur qui est peut-être là-bas, je ne suis plus sûr, mais on va faire ça. Et bah écoutez, si cette recherche de quart de cœur vous a plu, le petit j'aime, le petit commentaire évidemment, n'hésitez pas à regarder le let's play avant pour voir les quarts de cœur qu'on a déjà récupérés de base, plus ceux-là pour voir les derniers quarts de cœur qu'on aura fait. Et comme c'est mon Zelda préféré, bah, je me suis mis dans l'optique d'aller chercher les quarts de cœur qu'il nous fallait, sauf les figurines Nintendo qui vont être compliquées parce que je n'ai pas de photos. J'ai pas toutes les photos, il me manquera énormément de photos et ça va être compliqué. Donc ça on fera pas, ce sera le seul truc qui sera possible. Et je sais pas si y a un quart de cœur à la fin des figurines Nintendo, donc j'irai me renseigner également pour être sûr officiellement. Et pareil pour le tableau des puzzles, voilà. Comme ça, après, on ira faire tous les quarts de cœur qui sont moins durs à trouver, moins compliqués, etc. N'hésitez pas à aller dans la description, ma chaîne Twitch, ma chaîne Kick, évidemment, et le Discord, c'est très important. Et n'hésitez pas, hein, le jeu, je peux pas vous mettre de lien pour le jeu parce que c'est un jeu CD, mais vous pouvez l'avoir Zelda Wind Waker sur Switch, sur Wii U ou Wii. Non. Vous pouvez avoir Zelda Wind Waker sur Wii U, sur GameCube. Et il y a aussi une démo qui est offerte avec... Il y a aussi l'édition de luxe. Hein. Enfin, une édition particulière, là, une grosse édition là où tu peux avoir plusieurs Zelda avec Zelda Wind Waker sur GameCube. Plein de love, plein de bisous. Vous pouvez cliquer sur la cloche de notification et sur l'abonnement. C'est que du soutien. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouvera pour le prochain épisode de recherche de quart de cœur dans quelques semaines pour moi et pour vous, je ne sais pas. A très vite. Passez une bonne matinée, après-midi, soirée, semaine, week-end. Il est promis, en 2024, on ira régler ce micro hein, qui a des petits problèmes, je trouve, de qualité. On essaiera de faire cette première amélioration pour l'année 2024. Ciao tout le monde!